Bonsoir! Alors, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On passe à un next step là, hein. Le DIY c'est fini. On était sur des petits trucs, mais là, vous pouvez voir que ça, c'est que la moitié des palettes qu'on a. Aujourd'hui, on va faire un château fort en palette, mais un truc de dingue, hein, vraiment. Pourquoi un château fort? Parce que j'ai un projet de vidéo qui demande un château fort. Pourquoi ça demande un château fort? Vous verrez. Avant que ça commence, c'est sponsorisé, et bien sûr, c'est sponsorisé en rapport avec ça. J'ai été contacté par un jeu mobile Hustle Castle. Le but, eh bien sûr, c'est de gérer un château. Je vais vous en parler maintenant, mais du coup, je voulais quand même que ça ait un rapport entre ce que je fais et la vidéo, tu vois. J'essaye de plus en plus qu'elle soit une logique. Soit pas juste un placement produit mais qu'il y ait un petit raccord comme ça, du coup bah ça me force à faire quelque chose qui a un rapport avec le jeu, et du coup je fais un truc de dingue. Et là vraiment, alors je serai pas tout seul pour la vidéo, il y a Quentin qui est accompagné, parce que on va faire un château en palette, mais vous allez voir, c'est pas juste les empiler, il y aura de la visserie, il y aura un mont, des douves, il y aura un drap. Non, c'est pas vrai. Hustle Castle, c'est quoi? C'est un jeu mobile dispo sur Android et iOS. Et le but, eh ben, alors, c'est une phrase très connue sur ma chaîne, mais en gros, t'as ton château. Voilà, déjà, ça commence. C'est bon, on a bien rigolé. En fait, tu as un château et tu gères les pièces. Tu vois, t'as son gameplay sur le côté. Tu gères les pièces. Du coup, dans le jeu, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a son château, son équipe, parce que tu dois aussi faire, bien sûr, des combats. Mais si tu veux, tu ne gères pas que ton équipe. Tu gères aussi, par exemple, ton équipe de cuisinier qui te rapporte des pommes pour pouvoir faire des combats. Si t'as pas de pommes, pas de combat. Alors, comme ça, ça paraît bizarre. Mais quand t'auras le jeu, tu vas comprendre. Parce que, bien sûr, il est gratuit, hein. Tu peux le télécharger. Attends la fin de la vidéo. Une fois que t'as fini de faire ton château, comme le mien, tu vois, tu peux du coup créer ton armée. Ton armée, il y a des mages, il y a des chasseurs, il y a des archers, il y a des mecs, ils ont des épées, ils courent. Le petit plus par rapport aux autres jeux mobiles, c'est que là, on est dans un délire un peu dessin animé à la Family Guys, et du coup, c'est un humour qui se prend pas la tête, donc ça change un peu, tu vois. C'est moins va combattre le dragon, c'est plus la princesse, faut la sauver, mais elle se fout de ta gueule en même temps. C'est assez marrant, vraiment, pour le coup, ça change un peu. Si tu télécharges le jeu avec mon lien, tu as 250 diamants et 3500 pièces, et vraiment, dans le jeu, ça aide beaucoup au début à développer. En tout cas, ça permet de construire très rapidement tes premières pièces, parce que tu sais, c'est un jeu mobile, donc forcément, quand tu construis une pièce, faut attendre. Mais là, comme je t'offre, c'est moi qui te les offre, frère, hein. Je te les offre gratuit, hein. Et bah du coup, tu vas construire plus vite et tu vas plus kiffer le jeu. Télécharge-le, il est gratuit maintenant. On construit un château. J'ai un public là-bas, vous êtes énorme. Parce que depuis tout à l'heure, vous m'observez, mais vous dites rien. Alors à un moment, faut peut-être parler avec vos cornes là. C'est pas possible. Vous avez rien à dire. C'est stressant, regarde, elle nous fixe. Même le cheval, il nous fixe. Je vais voir le cheval. Roberto, viens Roberto. Non mais on va faire un château, c'est plus simple. L'idée plus tard, c'est un projet vidéo où il y a besoin de palettes, de bois, de structures pour un peu un gros truc, on va le dire. Et je voulais quand même vous montrer les étapes de construction pendant que Quentin me fait un bouquet de fleurs. Merci. En gros, là, j'ai envie de faire un espèce de château fort. Alors, pas non plus le truc de l'année, attention. Mais en gros, il y aurait une première tour. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. Là, il y aurait une première tour qui serait pas très haute, mais qui aurait juste une petite entrée pour qu'il y ait un mec qui se poste ici. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, il y aurait une passerelle qui passe au-dessus. Comme ça, nous, on passe en dessous. Et là, une grosse tour où il y aurait un mec à l'étage. Du coup, là, c'est trois palettes de haut. Mais après, si on voit que ça marche bien, go, hein. On fait un château encore plus gros, hein. Mais pour l'instant, calme. Eh ben, vas-y, tu peux lâcher. Bon ben voilà, j'ai fini. Impeccable. Là, en gros, on mettrait une palette et une pour fermer derrière. Et là, il y aurait quelqu'un qui se tiendrait ici. Peut-être quelqu'un de vrai ou pas, on sait pas encore. Hein. Tu vois, genre là, il y aurait le truc, du coup, là, faut laisser ouvert. Par contre, là, il faut remettre deux de haut et que ça soit fermé au-dessus. Ok. Pour qu'il y ait vraiment un espace qui soit dedans, tu vois. Oh, quand ça va prendre forme, ça ressemblera à rien, mais on aura bien rigolé. Pour l'instant, c'est simple, on rigole. Maintenant, quand il va falloir mettre une deuxième palette au-dessus, là, ou alors, ok, on en met déjà trois et on les fixe ensemble, comme ça, tu vois. Ok. Et tu vois, déjà là, faudrait fixer ça comme ça. Mais alors, comment? Bah, tu prends un bout de bois, comme bah, ça. Là, du coup, plutôt. Ok, bah attends, on va déjà chercher une troisième. Je te laisse prendre un bout de bois, je m'occupe de la palette, t'inquiète. Yes, yes. Putain, l'équipe. Donc, je pense un petit comme ça, tu vois. Bah ouais, faire des petits bouts, je sais pas moi. On va en pré-couper d'avance à la scie sauteuse des circulaires. C'est trop dangereux là. On va déjà en mettre un pour voir. Ouais, bah c'est bien. Comme ça, qui tient bien, ça tient. Et après, un autre là aussi. Ouais. Et déjà, ça tiendra bien. Et comme ça, après, on peut renchaîner, mettre des palettes dessus et refixer tout ensemble. On peut essayer à la main, peut-être ça va aussi vite. Hein. Mais franchement, ça fait un peu les muscles. Hein. regarde ça. Alors, bon, on va faire comme ça. Allez, un soupe suivant. On n'est pas sorti de l'auberge. Si vous voulez finir à 15h, eh ben c'est déjà trop tard parce qu'il est 16h. Je veux bien le petit bout de bois. Merde, il a disparu. Ah bah putain, si en plus il se barre. Ah, il y en a un là, vas-y, fais donc ici. Bon, ça m'a ok. Mal. Ouais, par contre, ça va être compliqué pour la deuxième. Non, c'est bon là. Bon, oh là là, non, mais c'est bon, on arrête, c'est fini. Regarde ça, c'est déjà stable. Allez, la suivante.
Eh ben pour l'instant, ça tient. Ça marche pas mal. Bah, c'est quand même bon signe. Je sais pas. Pourquoi vous mettez pas aussi des tasseaux en barre pour que ça soit bien fixe? Pff, tes bonnes idées, tu te les gardes. Par contre, on peut mettre un tasseau en bas pour que ça soit bien fixe. Ouais, je pense. Ouais, ça serait pas mal. Tu coupes, hein. Oublie pas de couper parce que on a une notoriété, on doit quand même. Bah tiens, vas-y, va chercher des palettes Europe. Pendant ce temps, je coupe. Dis donc, t'es encore là, toi? Après, la scie sauteuse, tu vois, c'est pas non plus une mauvaise idée, quoi. Tonton, il était plus efficace, hein. Attends, tu veux que je le coupe rapidement? Allez, c'est parti. Attends aussi, Quentin, on était deux tout à l'heure, hein, je tenais le truc, je crois. Tu peux tenir au bout, s'il te plaît? Tu fais ça bien, hein, parce que là, je joue ma notoriété, là. Fais. Oh, first try. Attends, j'essaie un truc. Pas mal, hein? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bah, attends, les châteaux en palette, c'est mon truc, hein. Oh. Ah ouais, ça change carrément tout, quoi. Eh, tu vois comment là, c'est moins stable, alors que là... C'était l'idée de qui, à la base, d'en mettre en bas? Bah, c'est Quentin qui l'a dit, je crois. T'es prêt? Pas trop, mais... Au-dessus? Ouais, mais comme ça... Ouais, mais là, pivote sur l'autre, là. Mais après, du coup, il y aura un pont, comme ça, niveau hauteur. Ça va être pas mal, en fait, on pourra faire un pont un peu long. C'est bon. Lâche. Bah là, après, il n'y a plus qu'à faire là. Hein. Mais attends, on va mettre l'autre. On va faire tout d'un coup. Faut juste que niveau taille, ça soit logique. Tu la tiens? Allez. Voilà. Regarde ça. Ouh. Bah, tu vois, genre, c'est... Voilà, c'est... Ok, bon, voilà. On va mettre comme ça. C'est parce que t'es en 9, mais toi en 17. Enfin, Quentin, c'est quand même connu. Vous avez vu, j'ai eu raison. Ça fait deux fois de suite. Parce que regarde, mine de rien, ça tient bien. Comme sur un chantier, hein. Un qui fait, un qui regarde. Exactement. Et puis après, bon bah voilà, il faut juste resserrer un peu en bas. Comme on a vissé que le milieu, elles font ça les palettes. Du coup, faut mettre un petit là et un petit là. Soit en bas, soit en haut. Je me dis que quand on va devoir faire une troisième hauteur, on va pas être bien. Il y en a, elles ont pas l'air bien costaudes. On n'est pas là pour que ça tienne. Enfin, si, mais tu vois ce que je veux dire. Bah vas-y, vas-y, pète les arbres. Non, dans l'autre sens, l'autre sens. Ah, je sais pas. Ok, c'est bon. C'est compliqué, est-ce que ça tient pas? J'ai une idée. On remet une palette là, une autre là. Là, on met l'autre tour. Ça va le faire. Genre là, ça, on le remet là. Là, il y a un trou. Tu passes comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, ouais, tu peux. Hein. Du coup, il faudra faire deux murs de palette. Mais du coup, si on met une palette au-dessus, ça tiendra mieux la structure. Ah bah oui. Eh bah, qu'est-ce qu'on attend là? Putain, je tiens ça. Aïe, putain. Joli. Attends, tu peux tenir deux secondes. Hop, pas mon problème. Ah, apparemment, c'est quand même mon problème. Mais là, je me dis qu'heureusement qu'il y a un arbre derrière. Ouais, c'est clair. Alors, lâche celle-là. Mais ça, mais c'est bon. Ça, c'est validé. Eh, ça prend forme. Est-ce qu'on en remettrait pas une Bah attends, on va essayer. On va en mettre une ou deux quand même. Putain, mais j'ai perdu ma scie. C'est pas possible. Elle était là, la scie, tout à l'heure. Il y a un métaux? Ouais. Bah, j'ai vraiment aucune idée d'où elle peut être. C'est marrant, ça. Tiens, bah regarde, t'as gagné le droit d'utiliser. Du coup, il faut refaire une double ici. Est-ce que là, tu peux tenir ça? Je vais chercher une palette pour mettre au-dessus. Comment on va faire? Attends, 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 bouge pas, bouge pas. J'ai une idée. Me dis pas qu'il va vouloir monter sur toi de la golfette là. La voilà notre échelle. Oh merde, j'arrive pas à monter. Sinon on a un escabeau. Non, regarde. Ok, il faut un tasseau qu'on visse sur le E-pal là-haut et il faut le visser là. Du coup il me faut un tasseau, deux vis, une perceuse mon jeune ami. Vas-y attends, je lève ça. Oh, on est nickel là. C'est ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Déplace la voiture, mais doucement quoi. Très doucement Quentin. Ah, on va rigoler lâche. Ouais ouais. Ok, let's go. Tourne, 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 tourne. Voilà, et hop, top, recule droit. Alors? C'est sensible. Qui a dit qu'on n'était pas des génies? C'est stylé, hein. Là ça tient, faut juste remettre des trucs au-dessus, mais ça tient. Faut pas qu'il y ait trop de vent. Mais ça tient. On peut commencer l'autre tour ici. On va la mettre là. Ça fera un côté bleu, comme ça. Et là, il faudra faire 3 de haut. On va déjà fixer ça comme ça, là. Avec un tasseau, là. Allez, ça visse. Ah non, mais sur le. On t'a entendu. Non, non, ça tombe, ça tombe. On va se mettre tous les bricolos à dos avec une vidéo comme ça. On va bien rigoler. Et après, de toute façon, une fois que tout sera emboîté les uns dans les autres. Avec le poids, ça va tenir. Bon, je trouve qu'on a une façon de se rassurer qui est assez impressionnante. Trop hâte que ça vous tombe dessus. C'est prévu, mais pas tout de suite. C'est pour la fin de la vidéo, c'est comme les toilettes. À la fin, on prend le caddie de golf, on défonce le truc et on voit si ça tient. Oh là là, et de ce côté, ça a de la gueule. Ça fait un cube parfait. Quoi. Ça rend bien? Ouais, de ouf. Putain, mais ça, c'est propre. Hein. J'avoue, c'est pas mal. Hein. On dirait un peu une cabane d'airsoft. C'est stylé, ça rend bien. Un château en palette, quoi. Mais quand t'es jeune, je pense, pour faire des petits jeux et tout, c'est pas mal. Hein. Le problème, c'est qu'au milieu, ça tient sur rien, quoi. Comment ça? Bah, le milieu, il est pas attaché. Ouais. Mais par contre, regarde. Ouais, ça a l'air pas mal.
Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. On va en remettre une là. On va en remettre une là. Après, on va mettre l'échelle. On va voir à quoi ça ressemble. Et du coup, de l'échelle, on pourra aller au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je visualise. Je pense que c'est pas mal. C'est bien, hein. C'est stylé, hein. C'est un petit bout du projet final, mais ça rend bien. Ça rend un peu comme on voulait. Putain, on arrive sur la fin, c'est quand même... Il y a un peu d'émotion, quoi. Il y a quelque chose de beau qui s'est créé, quoi. Dire qu'on va après tout détruire au lance-flammes pour une vidéo. C'est vissé ? On va dire que oui. Tu peux me chercher une palette ? Je vais la passer par là, j'ai trouvé un truc de ouf à faire. Voilà, ça c'est pas mal ça. En fait, regarde, j'aimerais la glisser au-dessus. Tiens, là encore. Tout ce travail. Alors, tu vois la position dans laquelle je suis ? Eh ben, en fait, je suis coincé. Et j'aimerais en parler. C'est pas très agréable. Si t'as vraiment confiance dans ce qu'on a fait, faut que tu mettes une vis comme ça en travers là. Sachant que c'est pas un truc qu'on va marcher dessus, tu vois. C'est juste pour la visser. Ou dans l'autre sens, hein. Je m'en fous, mais faut juste que ça soit vissé les deux palettes ensemble. Bouge pas. Tu vas pas aller bien loin, mais. Tiens. Ah. Oh là là. Ah, c'est bon, c'est bon. On va mettre un tasseau comme ça. Une vis ici. C'est bien parce que les gens chez eux, ils ont pas cette petite odeur de transpi que tu dégages. C'est peut-être moi. Ouais, je crois que je. Première fois que je lève le bras de la journée, je... Ça, peut-être pas du... ça me pique les yeux, je vois pas ce que je fais. Je vous ai déjà parlé de mes vertiges, des fois... Tu peux essayer d'en mettre une de travers, genre pour accrocher là. Putain, c'est exactement ça, mec. Tu vois, là, déjà, ça tient un peu mieux ensemble. Il me faut un tasseau. Là-bas, il en reste deux, putain, c'est les deux qu'il me faut. T'inquiète, regarde, lance bien. Moi, franchement, ce que je propose, maintenant que je suis là, c'est juste d'aller me chercher des colliers de serrage, au pire que j'en mette un peu partout. Ouais. En haut, tu vois, que ça tienne un peu. Voilà. Après, c'est juste en bas pour la beauté du geste, quoi. Alors, maintenant, ça va se mettre des colliers de serrage. L'échelle, regarde, on va la mettre là. Putain, elle est pile dans le coin, elle est nickel. Ah ouais. Waouh. Ah waouh. Je sais pas trop, du coup, si on pourra mettre un mec en haut. Mais il faut pas le dire, ça. Parce que les gens vont pas comprendre. Et ils vont... Mais toi, tu comprends pas, toi, YouTube, hein. C'est ça, ton problème. Les gens, ils sont en mode... Qu'est-ce qu'il va faire? Cyril, ça fait 5 ans, même 15 ans qu'il a une porte secrète. Bon, pas 15 ans, mais tu vois. Et ben là, les gens ils vont se dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez la prochaine vidéo. Pas celle-là tout de suite, mais là. Les mecs, viens voir de loin, franchement. Il y a quelque chose. Et attends, je vais me mettre là-haut. Ouah! C'est pas mal comme ça, hein. Ça bouge presque pas. Ça bouge, mais ça tombe pas. Qu'est-ce que je vous sers? Serre-moi les couilles, va. Ça ira bien. Et bien voilà, c'est la fin. Quentin va finir les colliers de serrage. Merci d'avoir suivi cette vidéo DIY palette. Oh, c'est pas non plus fou, mais regardez les couleurs. Un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu. Il y a une harmonie, il y a un petit passage. Si un jour il pleut, bon bah voilà. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas en description, il y a un petit lien pour Hustle Castle. Encore une fois, vous le téléchargez, ça vous coûte rien et si vous aimez pas, vous l'enlevez. C'est toujours la même chose. À bientôt et n'oubliez pas, vive les palettes. C'était peut-être pas...